Donc la reconstruction mammaire par transverse upper gracilis fait partie également des reconstructions mammaires autologues qui utilisent donc les tissus des patientes. Cette fois-ci, ça se situe à la partie supérieure de la face interne de la cuisse. On va emporter non seulement de la peau et de la graisse, donc ce qu'on appelle un lambeau cutané qui a cette surface-là, à peu près de 20 cm de long et 8 cm de haut, ainsi que le muscle gracilis en profondeur, puisque c'est lui qui va vasculariser à cet endroit-là la partie de la peau. Donc ça laisse à la fin une cicatrice qui est cachée dans le sillon génitocrural, qui est très discrète, qui peut avoir tendance à s'élargir, mais qui reste très bien tolérée par les patientes. Cette indication de reconstruction, ça reste une indication en deuxième choix si on ne peut pas proposer un DIEP, soit pour des raisons anatomiques, parce que les patientes sont trop fines, n'ont pas de petites brioches sous le nombril, soit parce qu'elles ont eu des antécédents de chirurgie abdominale. C'est pareil, cette intervention peut se faire de manière soit secondaire, après que la mastectomie ait été faite, soit de manière immédiate, en même temps qu'on fait la mastectomie, on fait la reconstruction mammaire, s'il n'y a pas de radiothérapie nécessaire par la suite. C'est important. La différence avec le DIEP, c'est qu'on peut faire une fois deux DIEP, mais on ne peut pas faire deux fois un DIEP, alors qu'avec le gracilis, on peut faire un gracilis un jour et un autre gracilis un autre jour. Donc ça fait partie des techniques de reconstruction qui font appel également à la microchirurgie, puisqu'on va emporter certes les tissus, mais en bloc avec leurs vaisseaux, donc les artères et veines qui les vascularisent, pour aller les resuturer au niveau du thorax sur les mêmes vaisseaux que pour le DIEP, les vaisseaux mammaires internes. L'intervention dure le même temps, 3-4 heures pour un côté ou 5 à 6 heures si on fait les deux côtés. Les suites post-opératoires sont assez similaires, donc il y a besoin d'un drain là où on va prélever le lambeau et un drain au niveau du sein reconstruit. C'est 3 jours d'hospitalisation également pour permettre la surveillance de la vascularisation, l'aspect du lambeau et s'assurer que tout se passe bien. Il s'agit cette fois-ci d'une surveillance purement clinique puisqu'on n'a pas un seul vaisseau, on ne peut pas utiliser un petit Doppler. Donc là, c'est vraiment à l'aspect de la peau, on regarde le temps de recoloration cutanée, on regarde l'aspect de la peau pour savoir si le lambeau est bien vascularisé ou pas, ou alors s'il y a une insuffisance de vascularisation artérielle ou un défaut de vascularisation veineuse. Donc selon la Haute Autorité de Santé, qui a émis un rapport en 2020 sur les alternatives aux reconstructions par implant, cette technique est la technique de référence en deuxième choix, surtout chez des patientes jeunes, maigres, et notamment en reconstruction bilatérale. Donc on est typiquement chez des patientes qui ont une mutation génétique, donc soit BRCA1, BRCA2, PALB2 ou TP53, qui indique une mastectomie, si la patiente le choisit, de faire une reconstruction immédiate après mastectomie bilatérale prophylactique. Les avantages de la technique, c'est que c'est une technique avec un pédicule qui est très très fiable. Il y a peu de risques de nécrose, même s'il existe toujours. C'est une technique qui est naturelle, avec des tissus biologiques qui sont en cours de renouvellement, une évolution naturelle sur le long terme. Les inconvénients, c'est qu'on a un volume qui est assez limité. On n'a pas un aussi gros volume qu'on peut avoir, parce que bah, évidemment, c'est également dépendant de l'anatomie des patientes. Mais en général, on a un maximum 300-350 grammes. Et parfois, avec les DIEP, on peut aller jusqu'à 1 kg, 1,5 kg. Ça peut arriver. Donc c'est le facteur limitant qui peut nécessiter de manière adjuvante des injections de graisse par lipomodelage ou transfert autologue de graisse. Ensuite, les inconvénients, c'est la cicatrice au niveau de la zone donneuse, mais qui reste tout de même assez discrète, évidemment cachée dans les plis. C'est à peu près tout. C'est une indication de choix également si malheureusement on doit sacrifier l'aréole et le mamelon. Parce que dans le même temps, avec la qualité de la peau à cet endroit-là qui est plus foncée, plus en relief, ça nous permet dans le même temps, même si on sacrifie l'aréole, de pouvoir la reconstruire de manière simultanée. Alors, il se peut qu'il y ait quelques poils qui restent, mais ça n'empêche pas de faire une épilation laser dans un deuxième temps si nécessaire. Pour l'impact sur le quotidien, c'est également 3 jours d'hospitalisation. Pareil, un mois et demi d'arrêt de travail en fonction de la nécessité du travail, s'il est plutôt actif ou plutôt inactif. Et puis ensuite 2 mois sans sport, pour reprendre après 2 mois sans aucun souci. J'ai l'exemple d'une patiente qui fait beaucoup de trail, qui a repris le trail à fond, même sans son gracilis, ça pose aucun souci pour la stabilité médiale du genou.